Salut guys, comment nous y est? Écoutez, m'a fait une vidéo sur question installation Office sur ordinateur. Nous m'a considéré trois cas différents. Bon, nous est installation pendant presque fini. Pour qui ça m'a montré nous toutes les démarches là? C'est parce que il est vite temps et moi je voulais montrer nous choses rapide. Donc m'a pas montrer nous toutes les démarches qu'on fait. M'a montré nous comment nous lancer et installation, hein? OK? M'a montré nous comment nous lancer, m'a expliqué nous comment nous lancer et là c'est ça c'est comment avancer. Bref, comment? M'a considéré trois cas différents. Ou cas gain Office sur un DVD. Ou mettez DVD, si DVD à boutable, la lancer pour compte li. La lancer pour compte li, la venir dans partie ça pour compte li. OK? La venir dans partie ça pour compte li. Ça, c'est premier cas. Deuxième cas, dépendez Office là tout. Si c'est Office 2016, il y aller très rapide, façon ça pour compte li. Si c'est pas Office 2013, voilà, là, il finit, juste cliquer sur close. Et déjà, il est fini. OK? Maintenant, si c'est pas Office 2016, c'est peut-être en version antérieure, en pile, faut qu'on demande au code, le commando ceci, le dossier là. L'offre lancer exécution. Comment? C'est insérer CDA, si le bout tablier tout lancer pour compte, le cas tout demande au code là, ou mettez code là, code là, le plus souvent, on a code là, non, yon fichier en dans CDA. Et puis, l'autre bagaille, le commando vous faites next, ou faites next, le commando pour accepter un thème ou accepter le puis c'est fini. L'installer pour compte. Deuxième possibilité, Office sous ordinateur. Si le sous ordinateur, c'est aller côté lié, moi-même, j'ai Office sous ordinateur, pas maintenant. Côté lié, lié dans un backup, on va venir là, on va backup moyen. On va venir là, on va backup moyen. Pour moi, je voulais seulement retourner un peu. Au lieu de, pour ne pas retourner trop. Bon, voilà. Office moyen là, je viens là, dans ce setup là. Tant que là, nous, j'ai un premier setup d'ailleurs, mais ignorer, c'est parce que je ne sais pas qui version ici. Si c'est 32 bits ou 64 bits. Il y a un folder ça qui est 32 bits et 64, on va choisir n'importe. Pour me choisir entre mettre n'importe là-dedans, juste faire exécuter comme clic droit sur l'exécuteur comme administrateur, on va choisir 64 là. Moi m'a dit non parce que m'a voulu exécuter le oui parce que pendant que tu installes. Ou bien m'a dit yes. OK, et puis l'a installé pour compte. Ça me saute dit qui est arrivé pour s'il sur un CD, il est arrivé là même tout, s'il m'a donné le password et puis tout en dans folder ou quand j'ai un fichier qui a un password là. Et code Office là. Si vous pas gain code dans internet, vous copier coller jusqu'à ce que j'ai un code qui servit. L'autre possibilité qui gagne, ou pas gain sur un CD, ou pas gain sur un computer là, mon vle download li. Allez sur site Microsoft là. Dans site Microsoft là, on allez, on va recommencer à zéro pour qu'on montre nos démarches là. Sur site Microsoft là, ou pas aller sur site Microsoft là. Ça c'est page d'accueil site Microsoft là. Ou pas aller en bas, dans pied des pages, en bas net, dans Download Center. Vous cliquez sur Download Center. Limando, la li retourner. Limando qui type de choses vous download. S'ouvrez download, j'en Windows. Vous cliquez sur Windows. S'ouvrez download, j'en browser Internet. Vous cliquez sur ça. S'ouvrez download, j'en Windows pour téléphone. Vous cliquez sur ça. S'ouvrez download l'autre chose, driver pour ordinateur ou c'est là. N'importe l'autre chose. Vous cliquez sur n'importe sauver. Maintenant, si vous voulez, nous devons download Office. Nous choisissons Office. Là, il va nous version officielle qui est disponible pour download. OK? Et puis, là, nous descendons, là, nous avons plusieurs versions. 2010, mais là, il va nous 2016, d'accord? Il va nous seulement 2013. Pour nous download 2013, dernière version, ça, n'importe version, ça c'est version 64 bits, ça c'est version 32 bits. Ou cliquez sur, moi, je clique sur 64 bits là. Avant download, il faut que vous regardez quel système vous avez, sous pour qu'on connaît. Après, libre par ça, libre de quelle langue vous voulez download Office là, ou quittez, moi-même, je choisis anglais, et puis je clique sur download. Bon, lui supposé lancer, download là pour compte lui, là, déjà lancé, lui m'a dit qui côté m'a metté, je choisis cancel parce qu'il m'a download, oui, mais s'il pas lancé pour compte lui, ou qu'à cliquer sur lien ça, click here to download manually. Ou cliquez sur lui, c'est même calcul là, la lancé download là. Ou cliquez sur cancel parce qu'il m'a voulu download. Bon, ça c'est 2000, Office 2000, dans site Microsoft là jusqu'à 2013. Comme li pa ba nou 2016, dans 2016, gen yon site ou capable utiliser pour download Office 2016. Site ça c'est site présenté nous là. M'a quitté lien ça dans description vidéo. Ou ap choisi vini, ou ap ouvert lien, l'a tourné nous sur page ça voyez Samia là. Ou ap choisi vini là ou choisi Office 2016 version vle professionnel ou professionnel plus ou home and business ou home and student tout ça. N'importe là-dedans, ouvrez, prenez. Vous pouvez prendre seulement une application tant que c'est là, Word seulement, pas besoin Excel, pas besoin l'autre, vous besoin seulement Word. Vous choisissez Word 2016 ou download. Mais là, après, tant comme je disais, il est capable de gagner
ISO ou bien l'algue point IMG qui veut dire image, mais c'est même bagage sur le marqué point ISO tout, ok? Donc on y a qui soit fait ou juste venir là dans Office 2016 professionnel, c'est le download, ou venir là ou cliquer sous là, il déjà lancé exécution, il déjà lancé download là. Bon, montrer nous quand on clique là, c'est là, ok? Ma va grandir, zoom non, c'est là, non lien qui est écrit en bleu sous même page là, en face. En face version ou choisir, il y a un lien qui est écrit en bleu. Voilà. Nous choisissons version professionnelle là. Lien écrit en bleu. Professionnelretail.img. Ok. Vous cliquez sur le lien en bleu ça. Ou download. Et nous allons lancer download là. Moi-même, je cancel parce que je ne veux pas download. Donc là, si je fais une démonstration encore, vous cliquez sur le lien. Lancer download là. Je demande que vous sauvegardez. Moi-même, pas sauvegarder. On nous dit que. Et par contre, ça, l'écoute, li vraiment pesé. C'est environ 2 gigas lié, ok? Donc, si vous voulez download, li, allez dans Internet, allez download, li, pas download, li, sous, si Internet ou fait, sous plan, natcom ou digital. Bref, ou bien sous un pays étranger, download, libre. Bref, ça, c'est deuxième possibilité. Nous allons montrer nos premières possibilités. C'est celle sous un CD. Deuxième possibilité, c'est si le sous ordinateur là, ou bien sous pas gain sous ordinateur, vous voulez download, li. Lorsqu'il download, li, mettez sous ordinateur là, démarche, c'est même bagage, vous montrez, vous faites aller, c'est, et faire un clic droit sur setup là, cliquer sur exécuter comme administrateur et puis suivre même instruction de dire avant pour s'il te succéder. Bref, troisième possibilité, Windows 10 offre une possibilité ça. Vous cliquez sur petit drapeau Windows là, là il marqué Get Office. Vous cliquez sur Get Office. Sauf que si vous avez Office installé, là-bas yon apparence qui plus intéressant côté, il parle peut-être si vous avez un compte qui connecté sur lui tout. La mando pour connecter compte ou moi-même compte pas déjà connecté, ça fait pas mandé main. Et si pour un compte la mando pour connecter compte ou si qu'il y a ou gétan gen compte connecté sur l'île pas même mando pour connecter compte ou l'app just mandé ou à la live l'app just li a bon produit yo li gen doit mando pour ou après le côté ou capable download on chose et leur mandé pour download pour installer d'abord li gen doit ba pour installer li gen doit do mon côté marqué install office ou bien install Word et install Office 2013 ou 2016 ou quelle que soit la version. Intéressant, si li bon version complète comme si on pas coach Office ou capable installer ou bien sous ou même gen quelques applications dans Office soit installé mais ou pas utiliser tout seulement utiliser Word, Excel ça ou ka seulement choisir application ça pour utiliser. Li bon possibilité ça tout. Bref, l'offre installer Office le plus souvent pas tout activé. Gen ta ba nou trois possibilités ça. L'offre installer le plus souvent pas pour activer si me prend le cas moi-même qui installé Office talé à là pour me démontrer nous la démarche là Word et là même voulez montrer pas voulez montrer Word qui installé sur ordinateur bon malgré tout ça va ok mais m'a montrer nous là non application ça qui les on note on vient là me fait file et puis moi vient là moins fait account là il dit office activé on va montrer nous comment nous activer ça OK comment nous faire ça c'est comme ça on a là et n'a vini là n'a écrit setting et n'a ouvert setting pour Windows voilà quand nous arrivons dans setting nous parlons dans update and security nous parlons dans Windows Defender n'a fermé tout ça yo nous fermons tout ça, ok? Gen yon ti application qui rele KM Spico. M'a quitté un lien pour nous download li nan description vidéo ça tout. Moi-même, moi gen sur ordinateur, m'a parlé là, m'a tourné là. Backup pad, software, others, KM Pico. KM Pico vini sous forme ça. C'est une forme zip. Wap dézipel, wap décompressel. Là-bas où yon fichier qui marque Windows Password for Archive. Et puis là-bas où il y a un folder comme ça. Fichier ça, qui ça là-dedans? Il y a un code qui c'est Windows. C'est Windows. Livre dit c'est Windows qui code là. C'est une nouvelle, il y a seulement marqué password Windows. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, là, on va décompresser ça qui c'est zip là, là, on demande un password. On va écrire Windows. Ok? C'est Windows qui password là. Et puis, là, on va décompresser là-bas où. Là, on va décompresser, on va ouvrir, folder ça qui marqué KM Spico final plus portable là ou cliquez là-dedans dans version portable là ou entrer dans portable gagne un côté marqué
KM Spico Seldi. On va faire double clic sur lui. La demande pour faire yes ou faire yes. Et là, fait un bruit comme ça. Exact. Et puis, en récompense, là, vous faites petit fichier, petit folder ça, bah, non, hein, petit fenêtre ça, bah, non. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton oui, ça. Et puis, là, juste, bon, depuis le fin de ça, vous l'avez déjà activé Office, là-bas, et puis c'est fini, activé. Bref, c'était tout ça, m'dé, pour me présenter, nous, sous installation Office. Kembe la, guys, n'a pas eu l'autre vidéo. M'a quitté le lien, ou, dans la description, pour si nous, y'a besoin. Kembe la.